La joie de Yannick Gomis fait plaisir à voir et pourtant, rien n'a été facile pour lui dans ce match avec son équipe de Guingamp sur le terrain de Pau. Yannick Gomis débute la rencontre avec un pénalty raté. Ça peut arriver, mais c'est déjà compliqué dans ce match où les occasions n'étaient pas nombreuses. Gomis, un joueur qui a l'habitude de marquer, 12 buts et 5 passes décisives avec Orléans en 2017-2018, 16 buts et 6 passes décisives avec Lens en 2018-2019. Il a rejoint Guingamp la saison dernière. L'attaquant sénégalais rate l'immanquable sur ce service de Youssouf Changama. Le gardien était effacé, le but était vide. Mais Gomis est en manque de réussite. À ce moment, il pense qu'il n'arrivera sans doute pas à marquer dans ce match. Mais il a de la suite dans les idées. Il reprend ses esprits et réussit enfin à marquer ce but. Le plus dur sur les 3 occasions qu'il a eues dans la partie. 5 buts et 2 passes décisives avec Guingamp la saison dernière. Il espère enchaîner cette saison. Ce but a une importance capitale car c'est le seul de la rencontre. Il s'est bien battu et après ses 2 échecs, il réussit à marquer ce but, celui du 1-0. Gomis réussit son match en donnant la victoire à son équipe.